Magnifique Esprit de Jésus. Il est écrit dans ta parole que le Saint-Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, car nous ne savons pas comment il convient de prier, car nous ne savons pas comment approcher le Père. Mais il est écrit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu le Père, connaît quelle est la profondeur de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Magnifique Esprit de Jésus, nous n'avons rien prévu. Nous dépendons de toi ce soir. Nous voulons nous humilier devant toi ce soir. Ce soir, il ne s'agit pas des pasteurs, il ne s'agit pas de l'Église, il s'agit de Jésus. Esprit du Seigneur, viens conduire ce moment selon ta seule et parfaite volonté. Esprit de Jésus, viens faire la différence. Esprit de Jésus, viens nous conduire dans toute la vérité. Esprit de Jésus, viens nous annoncer les choses à venir. Esprit de Jésus, viens nous fortifier puissamment dans notre homme intérieur. Esprit de Jésus, viens susciter la foi, car tu es l'esprit de foi, celui qui l'amène à la perfection. Jésus-Christ, tu es l'auteur et le consommateur, c'est-à-dire l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Et tu le fais par le Saint-Esprit. Esprit de Jésus, viens nous assister, viens nous porter, viens nous transporter, viens nous aider, viens nous faire prier par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et y faire veiller avec une entière persévérance, et viens nous faire prier pour tous les saints. Viens nous faire prier par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous comptons sur toi. Accorde-nous la grâce de t'honorer. Ce soir, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des assoiffés de Dieu. Seigneur, crée dans ce lieu une atmosphère de miracle, une atmosphère de délivrance, une atmosphère de libération, une atmosphère de guérison, une atmosphère de restauration, une atmosphère de relèvement, une atmosphère de rétablissement, une atmosphère d'embrasement, une atmosphère de restauration, une atmosphère de renouvellement, une atmosphère de rétablissement, une atmosphère de liberté. Esprit de Jésus, tu es l'esprit de liberté. Viens manifester la véritable liberté des enfants de Dieu. Esprit de Jésus, tu es l'esprit de vie. Viens ramener à la vie ce qui avait été attesté, constaté, certifié comme étant mort, inerte, sans vie, sans vie. Là où on a dit, il n'y a pas de vie. Esprit de Jésus, viens ramener à la vie ce qui était mort ce soir dans le nom de Jésus. Viens ramener des âmes à la vie. Viens ramener des membres à la vie. Viens ramener des corps à la vie. Viens ramener des organes à la vie. Esprit de Jésus, viens manifester ta nature. Viens manifester ce que tu es. Tu es l'esprit de vie. Voilà pourquoi tu ramènes à la vie. Tu es l'esprit de paix. Viens, Seigneur, manifester ta paix. Ce soir, la dépression part. Ce soir, la peur part. Ce soir, l'angoisse part. Ce soir, les phobies te quittent. Ce soir, une personne va sortir d'ici totalement libérée
totalement joyeuse, totalement en paix. Esprit de Jésus, tu es la source de la joie. Viens remplir ton peuple de ta joie, de ta plénitude au nom de Jésus-Christ. Et que l'angoisse s'en aille, la tristesse part, la dépression part, les envies de suicide part. Esprit de Jésus, tu es l'esprit de raison saine. Tu es celui qui donne une raison saine. Esprit de Jésus, ce soir, viens, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à cause de ta présence et de ton ministère, la folie va quitter quelqu'un ce soir. L'esprit de folie qui se cramponnait à la tête d'une personne va lâcher prise ce soir. Pas à cause des pasteurs, mais parce que le maître est dans la place. Ma Bible dit, là où se trouve l'esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Viens manifester la liberté véritable des enfants de Dieu. Une atmosphère de miracle requiert deux ingrédients. Ça requiert la puissance de Dieu, mais ça requiert également la foi de l'homme. La puissance de Dieu, la foi de l'homme, l'enthousiasme de l'homme. Parce que la foi est toujours enthousiaste. Parce que la foi s'attend. La foi s'attend à quelque chose. La foi n'espère pas. La foi est une ferme assurance de ce que tu espérais. Hier, tu as espéré. Maintenant, la foi rentre dans ton cœur. Parce que ton espérance a rencontré la volonté de Dieu. Tu as espéré. Et ce que tu espérais, tu t'es rendu compte que c'est la volonté du Père. Tu t'es rendu compte que c'est le désir du Père. C'est la nature du Père de guérir. C'est sa nature d'aimer. C'est sa nature d'avoir compassion. C'est sa nature d'être juste. Et en plus, il ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de raison que tu visites les gens sans me visiter. Il n'y a pas de raison que tu aimes les autres et que tu ne m'aimes pas. Il n'y a pas de raison que tu te souviennes des uns aujourd'hui et que moi, tu me reportes à dans 5 ans. Non, ma Bible dit, Seigneur, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur. Parce que c'est aujourd'hui que tu veux agir. Tu n'es pas le Dieu de demain. Tu es le Dieu qui te conjugue. Tu es le Dieu qui te conjugue aujourd'hui. Tu te conjugues toujours au présent. Voilà pourquoi tu as dit à Moïse, on m'appelle, je suis. On ne t'a pas appelé, j'étais. On ne t'a pas appelé, je serai. On t'a appelé, je suis. Et le je suis va se manifester ce soir. Le je suis va se manifester ce soir. Radabosha, tu ne te conjugues pas au passé. Tu ne te conjugues pas au futur, non. Tu es un Dieu de now. Esprit de Jésus, viens faire ton ministère. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? C'est ça son ministère. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir les cœurs brisés. Pour annoncer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, pour annoncer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer l'année de grâce. Dans le texte grec, c'est l'année de la relâche, c'est l'année du jubilé, c'est l'année de la fin de captivité. Et tu sais quoi? Cette année, c'est cette année au nom de Jésus. Il est là pour proclamer que la captivité est finie, la captivité est terminée. Quand la captivité est terminée, celui qui veut persister pour te retenir, pour nous retenir dans la captivité, va rencontrer la colère et la fureur de Dieu. Père, ce soir, que tout agent de l'enfer, tout esprit méchant, toute maladie, toute infirmité, tout handicap, tout esprit méchant, quelle que soit sa racine, quelle que soit sa source, quelle que soit son identité, qu'on l'appelle esprit mystère ou pas mystère, Père, que ce soit ta colère localise quiconque veut persister et faire la prolongation alors que tu as eu compassion. Tu as dit dans ta parole, lorsque les justes crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. Tu as déjà proclamé la parole, tu as déjà scellé la parole, tu as déjà mis un cadenas. Que quiconque veut perpétuer la captivité de ton peuple ce soir rencontre la fureur de Dieu. Que ta fureur le localise, que ta fureur le poursuive, que ta fureur l'arrête et que ton bras le réduise à néant. Ah,
Ramara, Sede Maro, Sonara Marade Rosa, Marito Rocata Ramade Rosa, Chile Ramaro, Sepede Rosa, Ramara Rosa, Esprit de Jésus. De Jésus. Parce qu'on parle de Jésus, mais les nations n'y croient pas. Parce que tu ne rendais pas témoignage. Mais ce soir, viens rendre témoignage de Jésus. Ça veut dire, viens révéler et montrer qui est Jésus. Viens faire la publicité de Jésus ce soir. Viens démontrer que Jésus est le sauveur. Viens démontrer que Jésus est le guérisseur. Il guérit comme personne ne guérit. Esprit de Jésus, viens démontrer que Jésus est le libérateur. Il ôte les fardeaux, il brise les jougs, il ôte les fardeaux. Viens démontrer que Jésus n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Saint-Esprit, viens attester cette parole. Viens démontrer que l'homme qui a marché dans les rues de Galilée, dans les rues de Jérusalem, l'homme qui a marché sur le Jourdain, l'homme qui a marché, Seigneur, sur les eaux, viens attester ce soir qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité. Et que ce qu'il a fait hier dans les Écritures, il le fait encore aujourd'hui. Viens attester de ce qu'on a dit hier de Jésus. On a dit, il fait tout à merveille. Que dans ma génération et dans mon époque, on reconnaisse encore aujourd'hui. Assurément, ce Jésus-là fait tout à merveille. Au nom de Jésus, que les démons soient chassés, que les malades soient guéris, que les jougs soient détruits, que les fardeaux soient ôtés, que les cœurs soient libérés, les cœurs brisé soit guéri, que la dépression, la peur, les angoisses quittent tout esprit qui se cramponnait à l'âme de mon frère, à l'âme de ma soeur, les esprits de rébellion, les esprits d'impudicité, les esprits d'immoralité, les esprits de peur, les esprits de suicide, tous les esprits d'échec, les esprits de pauvreté, les esprits d'infirmité, les esprits d'affliction, tout ce qui oppressait, affligeait, tout ce qui causait des kystes, des maladies, des fibromes, tout ce qui causait des endométrioses, les sida, tout ce qui causait maladie naturelle ou maladie mystique, quelle que soit la maladie, nous ne connaissons un seul remède, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus. Ce soir, Saint-Esprit, viens rendre le témoignage de Jésus, viens faire parler le sang, viens faire parler le sang de l'agneau, viens faire parler le sang de la rédemption, viens faire parler le sang de la délivrance, viens faire parler le sang de la libération, viens faire parler le sang de la restauration, viens faire parler le sang, 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 viens faire parler le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus ne peut pas se taire, le sang de Jésus ne peut pas rester silencieux, le sang de Jésus parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle la victoire de Golgotha, il rappelle à Satan sa défaite. Que ce soir, le sang de Jésus qui a vaincu le serpent ancien, qui a vaincu le dragon, qui a vaincu le grand dragon, qui a vaincu le serpent, Satan, le diable, que ce soir, le sang de la victoire, le sang du triomphe, parle ce soir, parle au corps, parle à l'esprit, parle aux âmes, que le sang de Jésus-Christ parle aux maladies et rappelle à la maladie qu'il a porté cette maladie à la croix. Selon qu'il est écrit, il a porté nos maladies, il s'est porté nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Que ce soir, le sang de Jésus dise à une maladie, hey, toi tu n'es pas là, Jésus t'a porté à la croix. Viens faire parler la voix du sang. Viens faire parler la voix du sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit, le sang de Jésus ne veut pas rester silencieux et ne peut pas rester silencieux lorsque le sang de Jésus rencontre un cœur qui a la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Le sang de Jésus ne peut pas rester silencieux lorsque le sang de Jésus rencontre un cœur qui a la foi, un cœur qui croit ce que Jésus est, qui croit ce que Jésus a fait, qui croit que le sang de Jésus a été versé cette fois pour ma délivrance, ma protection, ma rédemption, ma guérison, ma libération. Viens faire parler le sang. Oh bien-aimé, tu dois élever la voix quand tu me vois élever la voix. Et tu dois lui dire, viens faire parler le sang. Viens faire parler le sang. Viens faire parler le sang de Jésus.
Le sang ne peut pas se taire. Le sang des animaux, le sang des boucs, le sang des taureaux a été suffisant. Il a parlé suffisamment fort pour que l'exterminateur qui voulait rentrer à Goshen, qui voulait rentrer là où était Israël, ne puisse pas arriver. Le sang a dit à l'exterminateur, il a dit à la mort, il a dit à la maladie, arrière, passe par-dessus, passe par-dessus, passe par-dessus. Tu ne t'arrêtes pas dans ce corps. Ils sont mon peuple. Le sang. Père, Père, le sang des boucs et des taureaux a réussi à parler au point que l'exterminateur a exterminé l'Égypte. Il n'a pas pu atteindre Goshen parce que le sang sur les murs et les linteaux des portes a émis une voix. Ce n'était pas le sang de l'agneau immolé de Dieu, c'était une ombre. Père, si le sang des animaux a réussi à parler à la mort, a réussi à parler à l'exterminateur, si le sang de Jésus, le véritable, ne peut pas se taire, il ne se taira pas ce soir, il ne se taira pas ce soir. J'ai dit, ne se taira pas. Tu dois lui dire, le temps ne se taira pas dans ma vie. Élève la voix, dis, Père, le sang ne se taira pas ce soir. Bien-aimé, c'est une atmosphère prophétique, une atmosphère de miracle et une atmosphère prophétique. Tu dois parler maintenant ce soir et tu vas dire, le sang de Jésus ne se taira pas. Il va parler en ma faveur, en faveur de ma délivrance, en faveur de ma rédemption, en faveur de ma libération, en faveur de mes enfants, en faveur de mon foyer. Père, fais parler le sang. 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 Élève la voix. Est-ce que tu es en train de prier? Demande à Dieu de faire parler. Demande à Dieu de faire parler, de faire parler. Le sang ne peut pas se taire. Le sang de Jésus se tait lorsqu'il ne rencontre pas la foi dans le cœur de ceux qui entendent. Mais dans ma vie, ne laisse pas le sang se taire. Tu as dit que la captivité est finie. Seigneur, tu vas confirmer la parole de ton serviteur. Tu vas confirmer la parole de ton serviteur et faire parler le sang de Jésus. Il n'a pas coulé en vain. Il n'a pas coulé pour ma frustration. Il n'a pas coulé pour que je reste esclave. Il n'a pas coulé pour que je sois vaincu. Le sang de Jésus va parler contre les sirènes des eaux, les esprits d'impudicité, les esprits d'immoralité, la sirène des eaux, la sirène des eaux. Ce soir, le sang de Jésus-Christ est contre toi. Tout ce qui causait les règles douloureuses, s'il y a des fibromes, s'il y a des kystes, s'il y a des infirmités, s'il y a des paralysies, dis à Dieu, le sang ne se taira pas. Le sang va parler en ma faveur. Est-ce que tu es en train de prier? Parce que je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Tu dois dire à Dieu, la femme avec la perte de sang se disait en elle-même, quand je vais le toucher, mon cas sera réglé. Tu dois définir, tu dois parler. La foi ne croit pas seulement. La foi croit, mais la foi proclame. La foi dit à la montagne, le sang de Jésus-Christ va parler ce soir. Si le sang des boucs, si le sang des taureaux, si le sang des moutons a parlé, je tiens à te dire, le sang de mon grand frère, le sang de mon rédempteur, le sang de ma justice, le sang de mon bien-aimé, le sang de mon rédempteur parlera. Le sang de l'agneau parle ce soir. Fais parler le sang, fais parler le sang. Pourquoi? Parce qu'il y a la foi dans mon cœur. Je crois, je crois. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Dis à Dieu de faire parler le sang. Quelle est ta condition? Quelle est ta situation? Annonce, bien-aimé. C'est toi qui dois parler à la montagne. Dis-lui, le sang va parler ce soir. Ah ah, mon grand frère est dans la place. Mon grand frère est dans la place. Jésus-Christ est dans la place. Il est là par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour prendre la gloire. Le Saint-Esprit est là pour te prouver. Il est là pour rendre témoignage de Jésus. Il est là pour rendre témoignage de Jésus. Oh Saint-Esprit, viens rendre témoignage. Viens démontrer qui est Jésus. Viens démontrer qu'il est le libérateur. Viens démontrer qu'il est le sauveur. Viens démontrer qu'il est le tout-puissant. Viens démontrer. Aïe, 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 aïe. Viens démontrer que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a publiquement
seulement livré en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, vient démontrer ce soir que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, Jésus-Christ a détruit en le clouant à la croix. Viens révéler Jésus, viens démontrer qui est le maître. Viens démontrer que la main du Seigneur n'est pas trop pour te sauver. Viens démontrer que là où la puissance de Dieu rencontre la foi, il y a miracle, il y a prodige, il y a signe, il y a merveille, il y a visitation, il y a percée. Viens démontrer qu'il n'y a pas un nom plus grand que le nom de Jésus. Viens démontrer qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout l'homme va confesser ce soir que Jésus-Christ est le Seigneur. Viens faire parler le sang. Fais parler le sang. Fais parler le sang. Fais parler. Fais parler le sang. Fais parler. Le sang de ce thérapeute, le sang de mon grand frère, le sang de la rédemption, le sang de la délivrance, Père, fais parler. La voix de Dieu a déjà annoncé que la captivité est finie. Acclame, acclame, acclame pour le sang. Acclamons le sang de Jésus. Acclamons la voix du sang de Jésus. Elle va parler ce soir. Elle va parler ce soir. Acclamons la voix du sang. Acclamons. Que va dire le sang de Jésus? C'est une conversation invisible. Le sang de Jésus va parler ce soir. Le sang de Jésus va parler en ta faveur. Si tu les as rachetés, il va parler. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le sang va plaider pour toi. Parce que dès lors qu'il trouve la foi en toi, le sang est capable de parler. La plupart du temps, le sang ne parle pas parce qu'il n'y a pas la foi. Mais lorsque quelqu'un dit à Dieu, moi je sais que tu peux, je sais que tu veux, je sais que tu vas, je sais que tu as déjà tout accompli. Et je sais que ce que tu as accompli, tu vas le manifester. Quelle que soit ma douleur, quelles que soient les infirmités, quelles que soient les afflictions, je sais que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Je sais, Seigneur, qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchira. Je sais que Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchisse. Les dominations, les sirènes, les panthères, les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des savanes, les esprits dans le ciel, sur la terre, sous la terre, les esprits des lacs, quelle que soit leur origine, n'ont pas d'autre choix que de fléchir les genoux et de dire et de reconnaître que Jésus le Christ, mon grand frère et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le sang de Jésus va parler ce soir. Père, ne laisse pas le sang de Jésus-Christ se taire. Il va parler contre toutes les morsures de serpents dans les fibromes, les kystes, ce qui affligeait ton peuple, ce qui a oppressé ton héritage, ce qui veut résister à la voix qui a déjà été proclamée. Tu as déjà proclamé l'année de grâce. Tu as déjà proclamé, Seigneur, le jubilé. Car tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers la délivrance. Je ne sais pas quelles sont les prisons dans lesquelles on veut te maintenir, mais l'Esprit du Seigneur est sur nous ce soir.
car il nous a oint pour venir annoncer aux prisonniers du sexe, aux prisonniers de la colère, aux prisonniers de l'amertume, aux prisonniers du suicide, aux prisonniers de la folie, aux prisonniers de l'échec, aux prisonniers de la pauvreté, aux prisonniers de la masturbation, de toutes les formes d'impureté et d'immoralité sexuelle, aux prisonniers de la jalousie, des phobies, des angoisses. Et le Saint-Esprit m'a oint, le Saint-Esprit nous a oint pour annoncer aux captifs, aux prisonniers, là, délivrance, la délivrance ce soir, c'est la manifestation de ta délivrance au nom de Jésus. J'ai dit ce soir, c'est la manifestation de ta délivrance. La foi, la parole a besoin d'une réponse. La parole a besoin d'une réponse. Je ne sais pas. Peut-être que mon voisin n'a pas la foi. Peut-être que ton voisin n'a pas la foi. Peut-être que ton voisin est là pour assister à un spectacle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu veut? Dieu peut et Dieu va. Israël a été préservé de la mort subite de l'exterminateur. Père, parce que nous sommes dans une alliance plus excellente, nous ne pouvons pas avoir des résultats plus mitigés. Non. Oh non, fais parler la voix du sang, parce que ce sang a coulé. Celui qui n'avait point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il n'avait rien fait. Il est allé à la croix. Il est le sacrifice. Il est la rançon. Il est le sacrifice. Il est l'agneau immolé. Tout ce qu'il a souffert et enduré, il a enduré à cause de moi. Je ne peux pas rester dans la même condition alors qu'il a accepté de se livrer. Je ne peux pas vivre comme un déshérité. Je suis obligé de vivre l'héritage. Père, fais parler le sang de Jésus. Je refuse de vivre comme un déshérité qui n'a pas un héritage de santé, de prospérité, de paix, de joie, de bonheur. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Je ne peux pas opérer à un seuil en dessous de la prospérité à tous égards, parce que c'est pour cela que le sang de Jésus-Christ a été versé. Alors tu dois avoir une sainte colère envers le statu quo, envers l'affliction, envers le tourment, envers la souffrance, envers la maladie. Oh, dis-lui, fais parler. Dis-lui, fais parler. Je ne t'entends pas. Oh, les machins et les marossas. Les remoches à la ramada. Oh, fais parler. Oh, les marossas à la ramada. Les remoches à la ramada. Le Saint-Esprit est en train de me dire que chaque fois que la puissance de Dieu est à l'œuvre à travers le nom de Jésus, il est en train de me dire, tu vois, rappelle-toi, la puissance de Dieu était là à travers Jésus. Et il marchait. Et la Bible dit qu'il y avait une foule nombreuse. Mais à un moment donné, Jésus s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Il y avait une foule, tout comme il y a une foule ici. Mais la question, c'est qui va le toucher? Aïe, 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 aïe. Parce que je te garantis une chose, il y a quelqu'un qui est dans cette salle, qui est venu comme un spectateur. Mais je perçois dans l'esprit qu'il y a une personne qui est comme la femme avec la perle de sang dans cet endroit. Il y a une personne à propos de toi qui va dire, qui m'a touché? Ah, je ne sais pas à qui je parle. Mais il y a une personne qui va sortir d'ici en disant, je l'ai touché, j'étais venu recevoir, je repars avec mes colis, je repars avec mes cadeaux, je repars avec mon miracle, avec mon prodige, avec les signes, avec ma visitation. Fais parler. Fais parler. Je ne suis pas de la foule. Ah non, non, non. Moi je suis de ceux qui touchent. Je suis de ceux qui touchent. Arrochez Maradaros. Fais parler le sang. Fais parler. Fais parler le sang.
toujours des multitudes autour de Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'attitude de foi. C'est l'attitude de foi. Il y a des gens comme la femme avec la perte de sang. Il y a des gens comme la femme cananéenne. Quand eux, ils approchent, ils refusent de venir et de repartir comme ils étaient venus. Ils sont venus avec une frustration. Ils sont venus avec un cri. Ils savent qu'il est écrit, lorsque les justes crient, le Seigneur entend et les délivre de toute leur détresse. Ils ne sont pas venus en espérant que Dieu allait avoir compassion d'eux. Ils sont venus avec la certitude que si ce Dieu est bon, si ce Dieu est miséricordieux, si ce Dieu est amour, si ce Dieu est fidèle, si ce Dieu est capable, et qu'en plus de tout ça, si ce Dieu est juste, il ne fait pas de favoritisme, il n'a pas décidé à l'avance que telle personne va sortir guérie et telle autre va sortir malade. Alors moi j'ai décidé, même si mon nom n'était pas dans le dossier, mon nom n'était pas dans la liste du jour, hein, ma foi va mettre mon nom. La femme, aïe aïe aïe, la femme avec la perte de sang n'était pas dans l'agenda de Jésus. Écoute-moi, écoute-moi. Si cette femme était dans ton agenda de la journée, Jésus, elle n'était même pas dans l'agenda de là où il allait. Jésus allait chez la fille de Jairus. La fille de Jairus était dans son agenda. Si cette femme était dans son agenda, la voix de l'Esprit est en train de me dire, il n'aurait pas été surpris, il n'aurait pas dit qui m'a touché, il aurait dit je t'attendais. Mais s'il dit mais qui m'a touché, mais ça c'est qui? Tu fais quoi la femme? S'il dit comme ça, s'il agit comme ça, ça veut dire que Jésus ne s'y attendait pas. Je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui est venu ici ce soir. Jésus ne s'attendait pas à te visiter, mais à cause de ta foi, il va te visiter ce soir. Fais parler le sang, fais parler! Je n'étais pas dans la liste. Mais ma foi va crier. Ma foi va crier. Je n'étais pas dans le programme. J'en ai entendu parler à la dernière minute. Mais je vais sortir d'ici. Aïe, 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 ressortez. Quelqu'un va sortir d'ici. Avec l'âme libérée. Avec le corps guéri, avec des douleurs qui cessent, avec des démons vomis de ma vie, avec la main du diable brisée, avec l'emprise de Satan brisée, libéré de l'esprit des eaux, mariage libéré, travail libéré, santé libérée, paralysie brisée, pauvreté brisée. L'emprise de la folie brisée. L'esprit de folie brisé. Les barrières brisées. Les malédictions annulées. Par le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un sortira d'ici. Avec des voix qui parlaient contre ta vie. Ces voix se taisent définitivement. Parce que le sang parlera. L'agenda. Mais ma foi met mon nom dans l'agenda. Je sortirai d'ici visité. Je sortirai d'ici libéré. Je sortirai d'ici guéri. Le bras des méchants brisé. La sorcellerie brisée. Fais parler. Je n'ai pas besoin de te dire d'acclamer pour que tu acclames. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de mon autorisation. Non, non, non. La foi quoi? La foi proclame. La foi se réjouit. La foi célèbre. La foi acclame. Je n'ai pas besoin qu'on me demande d'acclamer. Fais parler. 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 Fais parler.
Élève la voix, dis à Dieu ce soir, tu ne seras pas oublié. Élève la voix, dis à Dieu ce soir, tu ne seras pas oublié. Élève la voix. La femme avec la perle de sang se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Dis-moi à haute voix. Dis à haute voix ce que tu te dis à toi-même. Dis à haute voix ce que tu te dis à toi-même. Proclame à haute voix ce que tu te dis à toi-même. Qu'est-ce que tu te dis? Élève la voix, fils de l'homme. Prophétise, annonce. David a annoncé en avance. David n'a pas attendu. On ne se tait pas. On parle à la montagne. On dit à Dieu. La voix dit à Dieu. La voix s'attend. La foi s'attend à Dieu. Et la foi dit à Dieu, à quoi est-ce que je m'attends? David n'est pas parti affronter Goliath par la foi en fermant la bouche. Il a dit à Goliath, ce soir, le Seigneur te livre entre mes mains. Ce soir, je vais découper ta tête. Ce soir, je vais te livrer aux oiseaux du ciel. Et tout Israël saura, et les Philistins saura que Israël a un Dieu. Et son nom s'appelle le Seigneur, l'Éternel, dans l'Ancien Testament. La foi parle, la foi proclame, la foi annonce ce qui va se passer. Bien-aimé, élève la voix. Ce soir, c'est une atmosphère prophétique. C'est une atmosphère prophétique. Tu es le prophète de ta propre vie. Élève la voix. Dis à Dieu, je ne suis pas venu pour faire partie de la foule. Moi, je suis venu pour recevoir. Recevoir. Je ne suis pas dans la foule. Je suis de ceux dont Jésus va dire qui m'a touché. Qui m'a touché. Moi, Seigneur. Moi, Seigneur. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Élève la voix. Si c'est toi, élève la voix. Proclame. Fais parler. Fais parler. Fais parler. Saint-Esprit, viens rendre témoignage de Jésus. Viens révéler et confirmer qui est Jésus. Viens révéler et attester de ce qu'il n'y a pas un nom plus grand que le nom de Jésus. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Du méchant s'arrête. L'esprit de sorcellerie est neutralisé. Les bras du méchant sont détruits. Quand tu descends, tout s'arrête. Quand tu descends,
s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Il y a un transfert de main. L'éternel. Les bras des méchants, c'est de place. Au bras du Seigneur. Oui, tout s'arrête. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Les bras des médecins s'arrêtent. La main du Seigneur commence. Il y a un transfert. La main des hommes est arrêtée. La main du Seigneur prend le relais. Ce soir que ta main prend le relais. Là où la main des hommes n'a pas pu l'agir. Là où les paroles des hommes n'ont pas pu sauver. Là où la main, les efforts humains n'ont pas pu agir. Que la main du Seigneur se déploie ce soir. Que la main du Seigneur se déploie. Dans le nom de Jésus. Au son de ma voix. Oui, tout s'arrête. Le carnage s'arrête. Le diable s'arrête. Les maladies s'arrêtent. Les paralysies s'arrêtent. La folie s'arrête. Les jougs sont détruits, les fardeaux sont ôtés. Parce que tu as entendu la voix, le cri de ton peuple. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Parce qu'il y a un transfert. Là où les hommes, là où les médicaments, là où les efforts humains, là où la psychologie, là où la psychiatrie. Tu n'as pu produire le résultat. Que ta main ce soir. Que ta main ce soir. Que ta main ce soir. Elle soit étendue. La main qui s'est étendue sur l'Égypte. Pour humilier Pharaon et son armée. Pour mettre à genoux les divinités d'Égypte. Elles étaient 10. Ta main s'est étendue. Pour les réduire à néant. Que ta main se lève. Que ta main soit étendue ce soir. Paix dans le nom de Jésus-Christ. Comme un tsunami, comme un feu, comme un vent. Déploie-toi au son de ma voix. Libère les prisonniers. Guéris les cœurs brisés. Renvoie libre les opprimés. Mais confirme la fin de la captivité. Oui, tout s'arrête. Il y a un transfert. Les broches à la rabo, les marrons. Oui, tout quand tu descends, tout s'arrête. Tout ce soir, le bras du serpent, le bras de la vipère, le bras du lion, le bras du dragon. Le bras de la panthère, le bras des esprits méchants, quel que soit leur nom, que leur bras, le bras qui détruisait, le bras qui mutilait, le bras qui engraissait, le bras qui tourmentait, le bras qui affligeait, que ce bras soit arrêté maintenant. Entre ciel et terre. Quand tu descends. Maintenant l'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a un relais. Il y a un passage de témoin. Il y a un passage de relais. Voilà pourquoi il dit l'atmosphère change. Tout s'arrête et l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que l'homme passe le relais à Dieu. Les circonstances humaines passent le relais au divin. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a entre ciel. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le
Saint-Esprit est là. Esprit du Seigneur, esprit de liberté, esprit de délivrance, esprit de guérison. Fais ton ministère. Fais ton ministère. Fais ton ministère. Dans quel domaine est-ce que tu es venu t'attendant à Dieu? Alors tu vas recevoir. Nous recevons. Nous recevons. Nous recevons. Nous recevons. Nous recevons. Lorsqu'il vient, ma Bible dit, il vient, il fait parler le sang, ça, lorsqu'il fait parler le sang, c'est la sommation. C'est lorsqu'un policier dit, police, arrêtez-vous, ça, c'est la sommation. Le sang de Jésus-Christ parle contre toi, quel que soit le nom de cette montagne, le sang de Jésus-Christ parle contre elle. Elle va se dissoudre, elle va descendre, elle va s'abaisser, elle sera totalement désintégrée si tu crois. Le sang de Jésus, c'est la sommation. Maintenant, lorsque la sommation n'est pas exécutée, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a maintenant, il va sortir pour contraindre la sommation, pour effectuer la sommation de force. Voilà pourquoi Jésus parlait, il menaçait. Et ma Bible dit, lorsque le Seigneur vient, lorsque Dieu vient, à chaque fois, il vient par sa parole. Et lorsqu'il vient par sa parole, ma Bible dit, il vient comme un feu, parce que la parole est un feu. Ma parole, elle parle comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Seigneur, nous recevons. Viens maintenant. Il va venir dans le domaine où tu t'attends à lui. Il va venir dans le domaine où tu cries à lui. Il va venir dans le domaine où tu l'as invoqué. Attends-toi seulement à lui. Nous recevons. Tu vas venir. Nous recevons. Nous recevons. Oh, feu. Nous recevons. Père, nous recevons. Ta visite. Ta visitation. Atterris. Père, atterris. Que ta main soit étendue maintenant. Au son de ma voix. Au son de ma voix. Atterris maintenant. 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 Bien-aimé, tu ouvres la bouche. Et le domaine où tu t'attends à Dieu. Dis au Seigneur, je m'attends à toi, je reçois ton feu. Dans quel domaine? Où est-ce que tu envoies le feu? Où est-ce que tu l'envoies?
Tu vas ouvrir la bouche. Père, nous recevons. Reçois. Dis-lui où est-ce que tu reçois. Et dis-lui, je reçois. Je nous recevons. Donne-lui une direction. Donne-lui une direction. Donne-lui une direction. Donne-lui une destination. Donne-lui une destination. Nous recevons. Père, nous recevons. Donne-nous une destination. Donne-nous une destination. Donne-nous une destination. Qu'est-ce que tu veux voir arraché? Que ce que le Père n'a pas planté ce soir soit totalement déraciné. Nous recevons, Père, nous recevons. Nous recevons. Ce soir, je ne serai pas oublié. Ce soir, je ne fais pas partie de la foule. Je suis cette personne dont tu diras qui m'a touché ce soir. Parce que je réceptionne ton feu et je perds, je prie que le feu agisse. Dans quel domaine tu veux qu'il agisse? Dans quel domaine? Alors tout le monde va élever la voix. Tout le monde va élever la voix. Tout le monde. On y va, tout le monde. Donne une localisation. Donne une destination. Donne une trajectoire. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'envoyer? Donne une trajectoire. Le feu est là ce soir. Le feu. Le feu est là. Le feu. Le feu est là. Ce soir, le feu, le feu, le feu est là. Donne-lui une destination dans le nom de Jésus. Vois toute cible. Une arme utilisée doit avoir une cible. Un pistolet doit avoir une cible. Le feu doit avoir une cible. Je déclare et je décrète ce soir. La destination que tu as pointée, la cible que tu as visée, que tu as accrochée, je déclare ce soir que cette cible est réduite à néant. Oh non, ce n'est pas ton cas, ça ne va pas s'arriver pour toi. Je déclare que la cible que tu as localisée est réduite à néant. Ça ne va pas se produire avec ton petit amen. Je recommence ça une dernière fois. La cible que tu as localisée et réduite à néant. La parole prophétique a besoin d'une réponse prophétique et d'une réponse fervente. Parce que, bien-aimé, tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, va demander à Bartimée. Sinon, ce qu'il a dit, fils de David, il disait, fils de David, fils de David. Il ne disait pas fils de David parce qu'il y avait des fois, il y avait une foule et la foule l'empêchait de s'exprimer. La foule empêchait Jésus d'entendre sa voix. Voilà pourquoi il disait en devoir, fils de David. On ne dit pas un petit amen. La qualité de ton amen détermine le son qui va parvenir au cœur du Père. Parce que la ferveur est une expression de foi. Parce que quand tu cries, la Bible n'a pas dit non. Écoute-moi. Je ne comprends pas. Ton esprit religieux peut t'empêcher de recevoir. Ma Bible n'a pas dit quand les justes prient, non. Ma Bible a dit quand les justes crient, le Seigneur entend. Il n'a pas dit quand il prie. Tu comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Non. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi il dit quand les justes crient. Il n'y a aucun chef d'État qui entend le son d'un peuple qui ne crie pas. Pourquoi crois-tu que les gilets jaunes sont sortis dans la rue? C'est quand le peuple crie que le chef de l'État est obligé de prêter attention. C'est quand cette veuve face au juge unique a crié, fais-moi justice de ma partie adverse, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, que le juge unique a fini par avoir mal à la tête. Pourquoi le cri?
Tu ne peux pas répondre un petit amen. Un petit amen, c'est un amen qui manque d'enthousiasme. Un petit amen, c'est un amen religieux. Un petit amen, c'est un amen qui n'est pas conscient de l'atmosphère de sa présence. Un petit amen. Non, 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 écoute-moi. Non, écoute-moi parce que tu ne comprends pas. Je dois t'expliquer, reste tranquille. Un petit amen. Un petit amen, c'est un amen qui ne prend pas conscience de la gloire qui est là. Un petit amen, c'est un petit cri. Un petit cri révèle une personne qui a encore une capacité à souffrir et à endurer l'affliction et la souffrance. Un petit amen. Quand tu vas aux urgences à l'hôpital, tant que tu ne cries pas, tu sais, aux urgences, il y a la foule, il y a la queue. Les personnes qu'on prend en priorité aux urgences, ce sont les personnes. Il y a des personnes qu'on ne peut pas garder dans la salle aux urgences. On est obligé de les prendre en priorité. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle crie. Parce que plus ton cri est fort, plus tu obtiens l'attention. Voilà pourquoi quand tu dis, bien-aimé, dans une atmosphère prophétique, tous les sons ont de l'importance. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Castanou. Il y a des choses qui me dérangent parce que ça dérange l'esprit. Et je sens quand ça le dérange. Parce que quand tu dis un petit amen alors qu'il est en train de dire que ta cible, là où tu envoyais le feu, la cible a été accrochée. Parce que normalement, non, tu essaies de te rattraper parce que maintenant, tu commences à comprendre. Mais avant la parole, tu ne comprenais pas que Dieu renouvelle ton intelligence. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'une fois que la cible est abattue, reste tranquille. Reste tranquille, je vais t'expliquer ce qu'il est en train de me dire. Parce que Dieu n'aime pas cette attitude. Le Saint-Esprit n'aime pas quand il doit t'exhorter. Il est en train de me dire, parce que quand tu as localisé, tu as accroché la cible, si la cible tombait, tu allais pousser un cri de joie. Pourquoi? Parce que ce qui m'affligeait a été terrassé. Mais il me dit, oui, mais tu ne comprends pas. Il me dit, mon juste à moi, il vivra par la foi. Ma Bible dit, oui, c'est ça que tu ne comprends pas, bien-aimé. Je te donne, tu dois changer définitivement en 2019. Parce que ce que Dieu veut faire exige une grande foi, une grande ferveur, exige une grande obéissance. Tu ne comprends pas pourquoi il y a une différence entre un petit et un grand cri. Parce qu'un grand cri révèle un grand désespoir. Quand les justes crient, il n'a pas dit quand les justes murmurent, le Seigneur n'entend pas. Parce qu'il y a une bruit, une foule, une multitude. C'est par la foi qu'on le touche, mais la foi parle. La foi ne croit pas seulement. Change ton attitude. Parce que c'est à cause de ça que tu as raté plusieurs visitations. Demande à Bartimée s'il n'a pas crié. Il me dit, pourquoi ma Bible dit que Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse dans Romains 4 au verset 11-12. Mais la Bible dit, il fut fortifié dans la foi. Et lorsque là, il fut fortifié dans la foi, et la Bible dit, donnons gloire à Dieu. Lorsque Dieu lui a dit l'année prochaine, à la même période, ta femme est enceinte, elle accouche. Ma Bible dit que Abraham a donné gloire à Dieu. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Abraham a la parole prophétique. Abraham a dit amen. Il 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 a dit amen. Et si tu ne me crois pas, Marie, lorsque l'ange lui a donné la parole, elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas murmuré. Elle a dit un grand amen. La qualité du cri, le niveau du cri détermine qui va toucher Jésus ce soir. Au sujet de qui Jésus va te dire, qui m'a touché ce soir? C'est la qualité de ton amen, de ta ferveur. C'est la qualité de ta réponse. Amen.
bouche, ce n'est pas une idée. C'est une réception qui est transmise en temps réel. Où est-ce que tu envoyais le feu? On va prendre le temps de prier. Mais si tu n'as pas envoyé le feu, l'imposition des mains ne fera rien. Parce que toi, tu dépends du pasteur. Jésus a toujours dit, il te sera fait selon ta foi. Nous, on vient pour sceller ce en quoi tu as cru et pour commander un transfert selon ta foi. Où as-tu envoyé le feu? Quand tu vas t'approcher, tu vas dire, voilà dans quel domaine j'ai envoyé le feu. Et nous, on va en poser la main. On va dire, reçois la manifestation dans le nom de Jésus-Christ. Mais tu l'auras reçu avant de venir devant. Si Jésus n'a rien pu faire à Nazareth, malgré sa toute puissance, ne t'attends jamais à ce qu'un pasteur fasse au-delà de ta foi. Jamais. Aucune imposition des mains ne peut changer ta vie si elle ne rencontre pas une foi authentique à l'intérieur de toi. La foi ne se tait jamais. La foi n'est pas molle. La foi n'est pas tiède. La foi n'est pas religieuse. La foi n'est pas traditionnelle. La foi n'est pas nonchalante. La foi est fervente. La foi est bouillante. La foi est audacieuse. La foi est enthousiaste. Et ton acclamation est molle. C'est ça le problème avec ce genre d'acclamation. Ce n'est pas une acclamation de foi. Ce n'est pas un cri de foi. Alors, je vais redire ce que j'ai entendu et à quoi tu as mal répondu. Il m'a dit, la destination où tu as envoyé le feu ce soir a été accroché, quelle que soit la nature de ce que tu as accroché par le feu. Cette cible est réduite au néant. Cette maladie est réduite au néant. Cette infirmité, cet esprit de sorcellerie est réduit au néant. Ce qui te combattait ce soir est réduit à néant. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je reçois ces paroles. Dit dans sa parole, les Égyptiens, les maladies, la pauvreté, l'échec, la sorcellerie, les célibats chroniques, les échecs, les maladies, les handicaps, les afflictions que tu voyais, tu ne les verras plus, tu ne les verras plus, tu ne les verras plus. Parce que par la main du Seigneur et la puissance du Saint-Esprit, ils sont réduits à néant, à néant, à néant, à néant, à néant, à néant. La stérilité est réduite à néant. Les bloqueurs de mariage, les esprits sataniques, les esprits de sorcellerie, les esprits humains sont réduits à néant. Amen. Tu n'as pas de quoi que tu as prêché dimanche. Alors tu n'as pas de voix à économiser. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. C'était la même prophétique. Les Roshadama. Les Yararosa.
Tu n'as pas prêché dimanche. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Qu'il me soit fait selon ma parole. Qu'il me soit fait selon ma foi. Déjà envoyé ta parole. Plusieurs d'entre nous, nous sommes en attente de la manifestation des autres colis. Ce soir, je suis la personne à propos de qui tu diras qui m'a touché. Ma foi va le faire. Ah, je ne sais pas pour toi, mais là c'est personnel. Ma foi, enfin, tu me traiteras selon ma foi. J'ai découvert que tu m'aimes. J'ai découvert que tu es bon. J'ai découvert que tu es compatissant. J'ai découvert que tu as en horreur les œuvres du diable. J'ai découvert que tu as... Voilà pourquoi le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. J'ai découvert que tu as en horreur Satan et sa tyrannie. Voilà pourquoi il est écrit dans Actes 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant ceux qui sont sous la tyrannie, sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Le même Dieu est avec nous ce soir. Ah. Marachata Legosa. Et j'ai découvert que tu ne fais pas de favoritisme. Tu n'as pas de favori. Mais tu regardes au cœur. Et là où tu trouves la foi, tu arrives à télécharger des colis. Et que la capacité de téléchargement des grands ou des petits colis dépend de ma foi. Mais moi ce soir, je ne vois pas pourquoi je ne serai pas visité. J'ai plein de colis que j'attends. Tu as dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Seigneur, je suis rentré en 2019. Tous les problèmes, les afflictions, les souffrances, les tourments qui remontent jusqu'à mon enfance, jusqu'à l'année 2018, c'est fini. Tous ceux qui étaient partis depuis mon enfance jusqu'à 2018, mon cas est réglé. Les montagnes sont aplanies. Les démons, les serpents ont été écrasés. Aucun n'a survécu. Aucun n'a survécu. Aucun n'a survécu. Aucun n'a survécu. Je ne vais pas prendre autorité sur le nouveau serpent. Tous les serpents qui avaient mordu nos vies, nos corps, nos âmes, nos destinées, nos enfants, tous ces serpents, l'année dernière, ils ont été localisés, ils ont été interceptés, ils ont été écrasés. Désormais, ils sont sous nos pieds. Et je tiens à dire, quels que soient les kystes, quels que soient les fibromes qu'on trouve dans ton corps encore, ne prie pas, dis seulement, aucun serpent n'a survécu. Aucun serpent qui a mordu mes enfants
qui a causé des règles douloureuses, qui a causé des infirmités, qui a causé des maladies. Aucun n'a survécu là. Parce que la voix du Seigneur a dit par son serviteur, appuyez sur sa parole. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. En 2019, ce que nous allons tolérer, ce sont de nouveaux défis, de nouvelles montagnes, qui elles aussi vont être aplanies au nom de Jésus. Mais les montagnes du passé, les montagnes de mon enfance, les souffrances de mon enfance, les maladies qui traînaient, les afflictions qui traînaient, les mêmes histoires qui se répétaient, c'est terminé. Le Seigneur confirme la parole de son serviteur. Dis amen. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Que le feu divin localise et consume toutes ces montagnes, ces afflictions, ces douleurs, ces blocages, ces échecs, ces migraines, ces folies, ces règles douloureuses, ces fibromes, ces kystes, ces endométrioses, ces cancers, ces tumeurs, ces diabètes, ces maladies cardiaques, ces maladies infectieuses, ces maladies cardiovasculaires, ces maladies de peau, ces maladies de sang, quelle que soit la maladie, elle est consumée. On ne la trouvera plus. Les serpents qui avaient les grands dragons, qui avaient avalé les mariages, qui avaient enterré ton mariage. Je ne veux pas en parler. La parole a déjà été proclamée. Dieu a dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Les sépulcres dans lesquels ta destinée avait été enterrée, ils ont été ouverts. Ta destinée a été dégagée de là. Ta fécondité a déjà été arrachée. Alléluia. 2019 est l'année de ta conception et de ton enfantement. Si tu es prêt pour le mariage, c'est l'année de tes connexions divines. C'est l'année de la productivité. Parce que les malédictions qui planaient sur ta vie, qu'elles soient familiales, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient régionales, qu'elles soient départementales, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient internationales, par le sang de Jésus-Christ, toutes ces malédictions ont été annulées. La voix du sang parle ce soir. La voix du sang parle ce soir. La voix du sang parle ce soir. Dis amen. Il te suffit de dire amen. C'est ce que Marie a dit. C'est ce que Anne a dit. Dès que Élie lui a parlé, la Bible dit que son aspect a changé. Elle a reçu la parole. Elle est repartie avec Elkana. Elle est repartie enthousiaste chez elle. Elle savait qu'elle allait concevoir. De la même manière, tu vas concevoir. Il te suffit de croire. Oh, la parole annoncée. Amen. Amen. Nous recevons, Père, nous recevons. Je vais demander aux chargés de prière de venir se mettre devant. Les chargés de prière et les pasteurs, j'en ai ramené quelques-uns avec moi. Tout le monde, les Rochataneros, tu viens avec foi. Tu viens devant, déterminé à être cette personne. Écoute-moi, ce soir, tu viens, si tu as un problème particulier, ou tu sens que l'ennemi veut jouer les prolongations, viens. Mais tu viens, ce soir,
tu ne t'attends pas à être touché par Jésus. Non. Ce soir, décide que c'est toi qui vas toucher Jésus. Ouais, c'est ça. Il me dit, ce soir, Jésus ne te touche pas. C'est toi, ce soir, c'est toi qui le touches. En cas, je ne sais pas pour toi, mais il va se retourner en disant, Ivan, toi aussi tu m'as touché. Seigneur, mon cas est réglé moi aussi. Alléluia. Marachata, je ne sais pas si c'est à toi que je parle, mais si tu es prêt, mon ami, ton cas se règle ce soir. Bien-aimé, il y a des foules où Jésus a fait quelques miracles à peine. Et puis il y a des foules comme à Génézareth où c'était des cascades de miracles. Et la Bible dit que tous ceux qui le touchaient, c'est dans Marc chapitre 6, à partir du verset 52, verset 53, 54, la Bible dit que tous ceux qui le touchaient furent guéris. À Génézareth, il n'y a pas eu quelques miracles comme lors de la femme avec la perte de sang. À Génézareth, c'était des centaines, des multitudes de personnes qui instantanément, dès qu'il le touchait, il ne les touchait pas. Il ne les touchait pas. Il ne les touchait pas. Non, ce n'est pas la référence. Ne mets pas un verset à l'écran tant que tu n'as pas vérifié que c'est le verset dont je suis en train de parler. Comme dit le pasteur Karambiri, soyez intelligent. Au verset 56, la dernière phrase du verset 56, c'est ça. Et tout ce qui le touchait était guéri. Il ne les touchait pas. C'est eux qui les touchaient. J'ai pas entendu toi, amen. Dis à ton voisin ce soir. Ce soir, je touche Jésus. Ce soir, je touche Jésus. Ce soir, je touche Jésus. Oui. Et ce soir, c'est Jésus qui va t'observer. Il va dire, waouh, tu as réussi à l'attraper. Ça fait longtemps que tu aurais dû l'attraper. Ça fait longtemps que tu aurais dû voir la manifestation. Mais le problème, c'est que tu t'attendais à ce que Jésus te touche. Le toucher. Quand tu attends que Jésus te touche, ça veut dire que tu attends que la foi de Jésus travaille. Mais quand tu as que c'est toi qui touches Jésus, ce n'est pas la foi de Jésus, c'est ta foi qui touche. Et c'est ça qui produit des guérisons en cascade. Ce soir, il y aura des guérisons en cascade, des libérations en cascade, des restaurations en cascade au nom de Jésus. Est-ce qu'on a lui? Est-ce qu'on a lui? Seigneur, merci. Dans la main. Vers ces fioles d'huile. Fallait mettre plus d'huile dedans. Fallait en mettre plus. Faut faire des économies d'huile. Mais dépêche-toi, monsieur. Quand j'ai parlé, c'est déjà accompli. C'est trop long. Vite. Plus vite. Non. Brian, plus vite. Tu dois aller plus vite. C'est trop lent. Tends la main. Père, au nom de Jésus. Tends la main. Nous te consacrons cette huile. Et nous savons que tu as déjà envoyé ta parole. Nous savons que tu as déjà scellé cette parole. Tout ce qui avait commencé depuis notre enfance et qui jouait les prolongations, la parole de fin de captivité a déjà été scellée. Ce soir, par cette onction, cette huile que nous recommandons à ta grâce, que ta main, Père, soit étendue. Par le mystère de l'huile et d'onction,
que toutes les paroles prononcées ce soir soient transférées dans ces fioles d'huile au nom de Jésus. Dès lors, cette huile est chargée. Elle est chargée de l'atmosphère, de la parole et de la vérité présente ce soir. Tout ce qu'elle touche, Seigneur, marque la cible qui était accrochée. Là où mon frère, ma soeur a accroché, il y en a, c'est des maladies, des handicaps, des afflictions démoniaques, des esprits de sorcellerie, des esprits humains. Tout ce qui combattait ton héritage et qui a été accroché par la cible ce soir, dès que cette huile touche ce corps, je déclare et je décrète que la forteresse, la muraille, la montagne s'effondrent totalement. Par le mystère de l'huile d'onction, dans le nom de Jésus-Christ, merci. Parce que le sang de Jésus-Christ est la sommation, le feu est le sceau, la confirmation de toutes les paroles qui ont été prononcées. Toute captivité, tout esprit méchant, toute maladie, là où ce n'est pas un démon, les maladies sont guéries ce soir. Les handicaps, les infirmités sont guéries ce soir. Les arthroses, les douleurs de les articulations sont guéries ce soir. Parce que ta main est étendue et tu confirmes la parole de ton serviteur ce soir. Les colis attendus qui étaient toujours en livraison, il y a plusieurs de ces colis, sont réceptionnés et manifestés ce soir. J'ai dit ce soir. J'ai dit ce soir. Distribué. Arachatalaba. Acclame, 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 acclame. Maro, chete lara. Jésus va t'observer ce soir. Le Seigneur ton cri. Il a entendu ton cri. Il a entendu. Que tu sois tombé ou pas tombé. Que tu sois avancé ou resté assis. Ton cas a été réglé. Les tosa. Chetala magarelo. Arachatalo sotelele. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Aucune offrande d'action de grâce, aucune marque de gratitude ne pourra suffire, ne pourra être comparée à la manifestation de tes bontés, de tes bienfaits. Ta main étendue sur tellement de personnes a résolu en une soirée ce que des années de souffrance et des mains des hommes et de l'aide des hommes n'a jamais réussi à faire. Là où toi tu es venu et tu as prié pour envoyer le feu qui a été tu as accroché une cible et ta cible c'était pas ton cas. Ta cible c'était le cas de quelqu'un que, pour lequel tu as intercédé. Crois que à cause de la même manière que attends à distance Jésus a dit cette femme cananéenne n'est pas venue pour elle. Elle est venue pour plaider pour sa fille qui était tourmentée par un démon. La fille n'était pas là. Le démon était là-bas. Si tu es venu et tu as localisé le feu, ta cible, tu as accroché un démon, un esprit de folie, d'infirmité qui afflige un bien-aimé, qui afflige un parent, je tiens à te dire que la cible a été accrochée. L'esprit qui tient cette personne, la libérer. À partir d'aujourd'hui, tu ne pries plus pour ce cas, mais tu rends grâce à Dieu de ce que la parole de son serviteur, la parole de Dieu à travers son serviteur s'accomplit ce soir. La manifestation, je ne peux pas te dire c'est pour quand, mais si tu es venu inquiet, tu es venu angoissé pour cette personne pour laquelle tu as prié, tu sors d'ici avec un nouveau visage. Tu sors lorsque Anne a reçu la parole de Élie. Et lui a dit, va et que le Seigneur t'exauce cette visite. Anne qui était venue abattue n'a pas vu l'enfant. Mais la Bible dit qu'elle est... C'est donc
quel passage? C'est dans quel passage? C'est dans 1 Samuel au chapitre 1. Mettez-moi 1 Samuel si tu trouves le passage avant moi. À la régie, je te félicite. Ça veut dire que tu lis ta Bible. Alléluia. J'ai déjà donné la Bible. 1 Samuel chapitre 1. Si tu trouves la référence, tu peux la mettre. La Bible dit au verset, j'ai trouvé avant toi, au verset 18. 1 Samuel 1 verset 18. Verset 17, il est écrit: Élie reprit la parole et dit: Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Anne a répondu: Que ta servante retrouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Tu es venu inquiet, tu repars serein, tu repars confiant, tu repars audacieux, tu repars totalement avec le sourire. Cette femme a cru à la parole qu'elle avait entendue. L'année suivante, elle est revenue avec un enfant. Parce que tu as cru à la parole que tu as entendue. Dans les semaines et les mois qui viennent, tu reviens avec un témoignage au nom de Jésus. J'ai dit, tu reviens avec un témoignage. Chacun d'entre nous, dis avec moi à haute voix, dans le nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je sors d'ici aujourd'hui avec un nouveau visage, avec la gratitude, avec l'action de grâce. Comme Abraham, je te rends gloire. Dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, je reviendrai comme Anne, avec un témoignage. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Avancer. Toi, tu n'as pas 3 cultes dimanche. Nous, on a 3 cultes. Le corps doit tenir 3 cultes. Et demain, on doit chercher encore Dieu. Mais nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Dieu a déposé, bien aimé, un dépôt ce soir. Ce soir, la livraison des colis a continué. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas fini. Si tu es comme moi, que tu es enceinte, que tu as beaucoup d'étiquettes, beaucoup de colis qui arrivent encore, ce n'est pas fini au nom de Jésus. Décide en cette année 2019 d'avoir une attitude, un cœur qui plaît totalement à Dieu. Donc un pacte sans chrétien, Sergi, changeons totalement d'attitude. Au revoir à la nonchalance, au revoir au pousse-pousse, au revoir à la lourdeur. Tu n'es plus un poulet. Les poulets attendent de voir les autres. Ils ont besoin de fonctionner en groupe. Les oiseaux, les aigles prennent leur envol. La chatarabosa. Ça veut dire quoi? Quand tu es un aigle, tu n'as pas besoin d'entendre si quelqu'un a commencé à célébrer. Tu célèbres tout seul. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je suis dans la présence de Dieu. Conscient, je ne peux pas me taire. Je n'ai pas besoin qu'on m'encourage à célébrer. Je n'ai pas besoin qu'on m'encourage à répondre à la parole. Je n'ai pas besoin qu'on m'encourage à dire un amen vivant, un amen vivifiant, un amen vivant. Je suis un aigle spirituel, comme mon grand frère, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a eu tellement de témoignages instantanés. Des gens qui ont été guéris instantanés. Il y en a, vous allez les constater après, mais j'ai vu des témoignages instantanés. Bon, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on prend les témoignages ou pas? Hein?
On en prend 5 maximum. Donc, je vais vous demander d'approcher. Mais en attendant, on va préparer une offrande d'action de grâce. Tu vas juste dire merci à Dieu avec les mots. Il y a quelqu'un, peut-être pas toi, mais ton voisin a envie de dire merci à Dieu. Vous savez ce que j'aime avec la guérison divine? C'est que le Seigneur te délivre en une soirée de ce que des traitements médicaux n'ont pas réussi à faire en des dizaines d'années. Et si pour ça on doit encourager quelqu'un à dire merci, ça veut dire que vos voisins, il ne faut même pas calculer la personne là. Vous dites, c'est pas grave. Moi, je saurais dire merci à Dieu. Je ne ferai pas partie des 9 lépreux qui ont plié de venir dire merci à Dieu. L'action de grâce dans la Bible, ce n'est pas juste des mots. C'est toujours accompagné par le mot sacrifice. J'ai pas entendu. Dans la Bible, quand tu tapes action de grâce, tu vas voir qu'il y a toujours le mot sacrifice. C'est pour ce que Dieu a fait. Nous sommes tellement reconnaissants. Tout ce qui avait affligé ta vie depuis ta naissance, ton enfance, s'est arrêté en 2018. Il n'y a personne qui va empêcher cette parole de s'accomplir. Personne. Tout ce que Dieu te demande, c'est connecte à ma parole. Laisse-moi faire naître la foi en toi pour manifester ce que j'ai annoncé. C'est tout ce que Dieu te demande. Dis amen. Alors pendant qu'on prépare une offrande d'action de grâce, je vais demander aux 5 personnes, tu sais que Dieu t'a visité ce soir. Viens témoigner. Parce que le témoignage permet de consolider ce que Dieu a fait. Le témoignage permet d'édifier la foi des autres. Il y en a plusieurs. Ton cas a été réglé. J'ai dit ton cas a été réglé. Alors qui a des témoignages, venez devant et puis les pasteurs vont écouter. On va qualifier d'abord les témoignages. Dépêchez-vous. Tu sais, quand on dit témoignage, il y a toujours des gens qui hésitent. À chaque fois, il faut acclamer pour les encourager. Parce qu'il y en a qui se disent, ouais, mais bon, si jamais ça ne se confirme pas. Hier, tu avais mal, la douleur a disparu. Ça veut dire que ton cas a été réglé. Dis amen. C'est pas compliqué. Ce que tu ne faisais pas, maintenant tu le fais. Ça veut dire que c'est la main du Seigneur qui s'est manifestée. Alors je demande à pasteur Juliana, pasteur Garel, tu peux aussi valider les témoignages. Oui, à Chantal, oui. Écoutez, et prenez le temps d'écouter. Rapidement. Comment? Ok, donnez-moi le micro. Les offrandes, un chant pour les offrandes? Non, ils n'ont pas besoin d'une chanson pour les offrandes. Quoi, tu as besoin qu'on chante pour te donner une offrande. Ça, c'est le passé, ça. Aujourd'hui, quand Abraham a amené Isaac, est-ce qu'il y avait une chanson qui accompagnait? Toi, tu veux une chanson, bien-aimé? Quand Abraham a apporté son sacrifice, il n'y avait aucune chanson. Des fois, même, il y avait des pleurs. Ouais? Ça veut dire que c'est un vrai sacrifice. Dis amen. Donc, d'ailleurs, je rends grâce à Dieu. Vous savez, j'aime bien ce genre de soirée parce que quand ça finit tard, il y a toujours des gens, ça fait longtemps que sa vie n'avançait pas. Mais il a trouvé le moyen de partir et puis il t'a laissé, toi et moi. Gloire à Dieu pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Bénis Dieu parce que tu as resté jusqu'à la fin. Bénis Dieu pour toi-même, j'ai dit. Bénis Dieu pour toi-même. Acclame le Seigneur pour toi-même. Ma soeur, viens devant. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis la soeur Irène de Cergy. En fait, mon témoignage, c'est par rapport à un problème de règles bloquées. Ça faisait plus d'un an et demi que je ne voyais pas mes règles. Et dimanche, pendant le culte, quand pasteur Yvan est venu, il a parlé des cas de femmes qui avaient des problèmes de règles, d'endométriose. Et quand il disait le témoignage comme quoi il y avait une sœur qui avait pu retrouver ses règles, j'ai pris cette parole et je l'ai saisie. J'ai dit, moi aussi, je reçois. Et le matin, lundi matin, je suis allée aux toilettes, en fait, pour mes besoins. Et quand j'ai constaté que je saignais, en fait, je me suis dit, ah non, c'est peut-être pas. Je me suis dit que c'est peut-être non, parce que des fois, ça me faisait ça, ça venait, après, ça partait. Je me suis dit, bon, j'attends quand même.
Après, je constate que le saignement est abondant. Le mardi, ça coule encore plus. Je dis gloire à Dieu. Je remercie vraiment Dieu. Ça faisait combien de temps? Plus d'un an. Un an? Plus d'un an, en fait. Plus d'un an? Oui. Il n'y a pas de règle? Oui. C'était une ménopause précoce encore. Le diable est un menteur. Wow. Amen. Acclame. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Réjouis-toi. Amen. Apprécie les bontés de Dieu. J'ai dit que ton cas, toi aussi, est... Si tu le crois, tu acclames. Alléluia. Viens, mon frère. Alléluia. Ça fait, je crois, 10 jours que j'ai une migraine qui me poursuit depuis 10 jours. Je ne sais pas comment ça est arrivé. C'est ma première fois de ma vie d'avoir une telle expérience. Je ne savais pas. Et aujourd'hui, Dieu m'a dit, il faut tout faire pour venir. Ils vont prier, ils vont mettre l'huile. Je ne savais même pas. Mais Dieu me disait ça à chaque fois. Et j'étais au travail, j'ai fini le travail, je venais rapidement. Et là, ma voiture tombe en panne. J'avais mis beaucoup de carburant. Et comme par hasard, le carburant tombe dans le rouge. Je vais à la station d'essence, ma carte bancaire ne passe pas. Je regarde, il y a 600 euros à l'intérieur. Je fais un virement de 100 euros dessus, ça passe toujours pas. Bon, j'ai dit, bon, quand c'est comme ça, je vais aller quand même. Et puis, il va arriver ce qui va arriver. Et je rentrais, donc je suis venu en retard. Il était 21h35, j'ai dit, mais c'est plus la peine. Et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit, qui t'a appris à avoir peur? Et puis non, je suis allé me laver rapidement, j'ai pris ma voiture, je suis venu, et c'est pas tombé en panne. Donc je suis rentré, je suis venu, j'ai dit, il y avait le frère qui était là, j'ai dit, il y a 10 jours, il y a une migraine qui me fatigue, je sais pas où c'est quitté, je sais pas. Et il a prié instantanément. Actuellement je vous parle, je peux crier amen, parce que la dernière fois je criais amen, mais ça me faisait mal. Gloire à Dieu. Amen. Non, tu étais combattu. Hein? Levez la main quand sur lui. Toute coalition satanique occulte, toutes les voix qui ont réclamé ta confusion, ta folie, ta destruction, toutes ces voix qui ont parlé contre ta vie, ils sont coalisés pour te réquisitionner, pour faire de toi un prisonnier. Ces voix, nous les condamnons en jugement ce soir, au nom de Jésus. Tu n'es pas seulement libéré, ton cas est réglé. Mais ceux qui ont parlé contre toi, ceux qui ont parlé sur ta vie, qui ont lancé un filet pour dire prenons-le, emparons-nous de lui, et qui ont prononcé des paroles, toutes les paroles de malédiction, d'incantation, de sortilège, de folie, de migraine qu'ils ont prononcées sur toi. Ce soir, je déclare et je décrète dans l'assemblée des frères et des sœurs, en communion avec les frères et les sœurs, que tout ce qu'ils ont proclamé retombe sur eux. Retombe sur eux. Retombe sur eux. Ça veut dire qu'à partir de ce soir, il y a quelqu'un qui va dormir et se réveiller avec une migraine 10 fois supérieure à celle qu'ils ont envoyée contre toi. Cette parole court. S'ils voulaient te rendre fou, je déclare qu'à partir de lundi, il y a quelqu'un dans ta famille pour avoir osé parler contre une personne. Tu as ICC? Aïe, donc c'est mon autorité apostolique. Quiconque a parlé contre toi, je déclare qu'à partir de lundi, on va constater qu'il est frappé de folie. Mais les cieux et la terre passeront. Cette parole ne passera pas. À partir de lundi, observe ta famille. Tu sauras qui a fait ça. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, faut pas nous embêter. Oh. Il y a quelqu'un, il ne faut pas embêter ICCO. Oui, ma soeur, on y va. Bonsoir tout le monde. Je suis là devant vous, merci de m'avoir donné la parole. En fait, je suis quelqu'un de très timide. Tu étais? Oui. La timidité est un esprit, ma soeur. Il faut dire introverti. Et je n'osais pas, en fait, approcher... pour la délivrance. Donc c'est une sœur qui m'a encouragée. Et
c'était difficile de faire le premier pas. Parce que j'avais ma jambe aussi qui me fait mal. Et j'arrivais pas à avancer. Et elle m'a encouragée, du coup je suis venue. Et quand il m'a délivrée, ben, j'ai fait waouh! J'ai dit, c'est pas possible! Et je vais juste dire merci à mon Dieu, merci Jésus, merci pasteur. Merci. Je sais c'est quoi maintenant m'exprimer. J'avais du mal à m'exprimer, j'étais toujours derrière une personne en fait. Je sais que j'ai du potentiel parce que Dieu m'a donné dedans. Que je dois partager aussi à d'autres. Mais j'arrivais pas à cause de ma timidité. Mais maintenant c'est fini. Merci. Ton cœur est réglé. Amen. 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 Waouh. Acclame, 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 acclame. Tu vois comment un esprit de timidité, de peur, peut paralyser totalement quelqu'un. C'est-à-dire, viens recevoir ta guérison. Non, 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 non. Il n'y a personne qui a été oublié. Que tu aies senti ou pas senti, vu ou pas vu, tu n'as pas été oublié, ton cas est réglé. Au nom de Jésus. Mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai vu, vous avez été guéris là ce soir, vous ne venez pas témoigner. Yeah. Et où est la maman qui ne pouvait pas bouger le bras, qui bouge maintenant le bras là? Ton cas quoi? Ton bras est encore immobilisé? Waouh. Bon, ça m'arrange, il est 23h, on va arrêter. Mais quand vous constatez, il y en a, ils n'osent pas à témoigner. Tu veux dire quelque chose? Tu veux pas d'abord aller faire les examens? Tu veux parler de ce soir? Parle ce soir. Alléluia. Amen. Je vais faire court. Parce que... Vas-y. Ah, waouh, c'est impressionnant. ça fait bientôt 3 ans que j'ai pas mes règles. Enfin, j'ai pas eu. Là, maintenant, je crois que mon cas a été réglé. Donc, on m'a tout prononcé, endométriose, tout le monde, ménopause précoce. C'est tout. À chaque fois que je vais voir un médecin, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Jusqu'à ce que j'ai dit non, je vais plus voir les médecins. Donc, ce soir, quand le pasteur il va en train de prier, et puis il a commencé, il nous disait priez, je voyais une sorte d'éclair qui est passé, il y avait une sorte de nuage, la main c'est comme si c'est une sorte de nuage noir, mais quand l'éclair est passé, la main a coupé, pfiach. J'ai dit waouh, j'ai dit non ce soir, en fait, depuis ce matin je me préparais pour dire ce soir Seigneur je viens dans ta maison, je ne retournerai pas sans avoir quelque chose. Wow. Donc, quand j'ai vu la main, j'ai dit, ça y est, mon cas est réglé. J'entends, et le pasteur Yvan a dit, pour toute personne qui a l'endométriose, kyste, fibrome, venez me voir. Donc, quand je suis passée, enfin, mon mari, lui, il est là, de loin, tu vois, il est. Donc, du coup, quand je suis venue, le pasteur, il va en train de prier, mais c'était comme une sorte de lutte. Mais quand, après avoir, j'entendais loin, il faut vomir, mais j'arrivais pas à vomir. Donc après, j'ai poussé un cri, et puis je me sentais léger après. Donc je bénis le Seigneur pour ça, je ne voulais pas partir. Ton cas est réglé. Amen. Ma fille, ton cas est réglé. Ton cas est réglé, Seigneur, c'est fini. Elle va venir témoigner. L'endométriose est partie, la ménopause précoce est partie. Waouh! Waouh! Wow. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous merci pour les offrandes que nous apportons. Il n'y a rien que nous puissions apporter qui puisse être comparé à l'immensité de tes bontés, aux bienfaits que tu as manifestés pour nous, envers nous. Mais du plus profond de notre cœur, nous te disons merci. Et à partir d'aujourd'hui, pour cette saison nouvelle, en nous
conscients de tes bontés. Ne nous laisse jamais te prendre à la légère. Ne nous laisse plus jamais te prendre comme acquis. Plus jamais d'attitude religieuse. Dieu est très sensible à l'action de grâce. Dieu fait extrêmement attention à l'attitude du cœur. L'attitude est toujours traduite à l'extérieur par l'enthousiasme, la reconnaissance, l'appréciation de ses bontés, l'appréciation de ses grâces. Quand on dit acclame, oh Seigneur, merci de ce que tu m'as donné des mains. Il y en a tellement qui n'ont pas de mains pour acclamer. Quand on dit amen, je donnerai un vibrant amen. Pas pour faire plaisir au pasteur, mais juste pour, Seigneur, exprimer ma foi. Parce que j'ai compris que ta parole a besoin d'une réponse forte.